coronavirus, un mot, une maladie qui continue de s'imposer en sujet dominant de l'actualité. Bon, avec la pandémie, bon, oui, c'est dur. C'est dur, bon, aussi les clients ne sont pas venus parce qu'ils ont peur de se déplacer, vraiment. Voilà. Parce qu'au moment où on pensait qu'elle s'était calmée, que le Sénégal avait eu de bons résultats et qu'effectivement, on va dire, la tempête était passée. Bien avant que je fasse le test, j'avais eu une grosse fièvre. Donc j'étais très fatiguée et c'était vraiment une fièvre qui n'était pas normale. Donc tout de suite, j'ai soupçonné d'avoir le Covid. Alors Stéphane, pour toi, que représente le coronavirus? C'est du genre, en fait, lorsqu'on en parle, on n'a pas vraiment conscience de la chose. Vivre le corona est extrêmement douloureux, extrêmement difficile. Et il faut le dire, vous frôlez la mort ou bien vous mourrez.